Hello les amis, bienvenue pour la suite, comme toujours, sur Immortals Phoenix Rising, partie 29. Et oui. Et on va continuer notre aventure. On s'est arrêté ici. Voilà, ici. On a fait toutes les zones, ça y est, on a terminé. Toutes les petites, si je peux dire ça, les petites lieux. On a justement, enfin, quand je dis peu, enfin, pas tous, hein, parce qu'il y a des lieux que j'ai pas encore, justement, là, par exemple, ici, et ben, je l'ai pas fait parce que j'ai pas encore trouvé la solution de ce coffre. Donc, ça sera pour plus tard, on verra. Mais par contre, et du coup, bon, j'espère que ça va bien se passer. Live, en ce moment même, bien sûr. J'espère que vous allez adorer la... Enfin, je l'espère. Après, bien sûr, hein, je vous force pas à regarder tout au long. Mais ça permet de, si vous voulez, de mettre un j'aime. Ça fait toujours plaisir. On va aller tout doucement vers la mission. Ok, c'est juste ici. Sur un. C'était quoi ça? Phoenix, ah, ok. Savait que Phaéton devait reposer à l'intérieur. Moi aussi, j'irais bien me reposer. Ça va durer encore longtemps, ce ton qui a chouiné pour conduire le char. Mais pourquoi on revient toujours sur cette vieille histoire? Évidemment que ce serait celle-là. Le cocher. La nation du cocher fut créée par Helios lui-même. Il à ce que l'on se souvienne de son fils. Ok. Alors en fait, je vous explique, les amis. On avait déjà fait ce lieu. Et apparemment, il y avait un petit secret en rapport avec ce lieu. Avec les boules. On a mis lors des précédents lives. On a justement, on découvre un nouveau lieu justement, grâce à ce lieu. Avec une mission principale. Ok, placer la roue du char, enfin de char, dans le cours d'eau, dans la grotte. Ok. Bon. C'est là qu'il est tombé. Ses sœurs. Phoenix connaissait ce récit, comme beaucoup d'autres. C'étaient les sœurs de Phaéton. Restés à l'endroit où leur frère s'était écrasé. Juste les transforme en arbres, afin qu'elles puissent agir sur lui. Tu as te dire, je te signale. À force de ruminer le passé, voilà où on se retrouve. Elles aussi, elles ont gâché leur vie. Ce qu'il faut, c'est aller de l'avant. Tu étais jeune. Tu voulais être reconnu, prouver quelque chose. Mais aujourd'hui, il ne reste aucune trace de ton existence. Quelle tristesse. Mais Phoenix avait tort, car on se souvient de Phaéton. Et ce n'est pas rien. Je n'ai jamais dit qu'il fallait oublier ce garçon. Peut-être existe-t-il un juste milieu entre vivre dans le passé et le rayer de sa vie. Peut-être faut-il parfois prendre le temps de se souvenir. Phaéton, pardonne-moi. C'est quoi tout ça? Intéressant. Un foutre et de feu. Ok. Aile ardente. Ouh, intéressant. On va regarder ça, les amis. Alors, c'est celui-là. Ouh, c'est pas mal. J'avoue, Alors, ils nous disent comme ça, enflammer le héros ou l'héroïne qui sommeille en vous et ouvrez-vous un chemin de vers la gloire.
Ok. Franchement, pas mal. J'adore. C'est pas mal. Vraiment. En fait, j'hésite. J'hésite soit de garder, vraiment. Parce que j'aime bien les ailes de Zeus, hein, vraiment. J'adore. Les flammes, ouais, ça fait démon aussi. Je trouve. J'aime bien. Ouais, je pense que je vais garder les ailes de Zeus. Ouais. Allez. Je le garde. Allez. Je vais y le prendre, hein. Franchement. Mais ça fait trop démon, je trouve. Je vais ressembler à Typhon, sinon. Enfin, c'est Phoenix qui va ressembler à Typhon. Alors, du coup, eh ben les amis, on va continuer l'histoire parce qu'il reste que ça dans ce monde, pratiquement. Alors, par contre, c'est pas vraiment une mission du mode histoire en fait. Qu'on va faire là juste un instant. En fait, c'est une mission qu'on a eue avant le DLC qu'on a eu justement hier, parce que c'était hier le 22/04/2021. Qu'on a eu, et c'est en rapport avec le troisième DLC du Season Pass en fait, cette mission en fait. Du coup on va le faire quand même, parce qu'on est à côté bien sûr. Alors on nous dit comme ça, lorsque Typhon a lancé son attaque, l'île d'or abritait de nombreux dieux, certaines refusant aujourd'hui d'y revenir. Toujours malicieux, Hermès refuse qu'il en soit ainsi, et met Phoenix dans découvrir l'identité, ce qui ne sera pas une sinécure. Ok. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la récompense. On va voir. On va tout voir. Je découvre comme vous en tout cas. Mais c'est en rapport avec le troisième DLC. Et je pense que... Je suis pas sûr de moi. Je pense que c'est en rapport avec la mission là qu'on va faire, c'est avec une éclipse. On va voir, je dis ça comme ça. J'avais vu des images de cette mission. Je crois que dans le menu justement du jeu, pas sûr de ce que je dis. Ça se peut. On verra, les amis. Hop là. Mena bien le Hermès. Ok. Et bon. On va essayer. Alors je ne sais pas si on va réussir. Parce que si c'est encore un truc contre la montre. Ah bah c'est ça à mon avis. Meilleur temps. Ah bah c'est. Règles spéciales, des dangers environnement ont été ajoutés. Mena bien la crypte. Comment c'est le défi? Je ne sais pas si je vais réussir hein, les amis, je vous le dis. Je ne sais pas si j'ai tous les pouvoirs du truc, tout ça. On me le dit justement, la mission des dieux perdus. Ah oui, ok. Ouais, c'est mort quoi. Vous avez vu, j'ai perdu mon énergie à cause de sorte de truc brillant là, je sais pas trop quoi. Jamais j'arrive. Vous savez quoi les amis? Je pense pas que j'ai le niveau en fait. Enfin je pense. Donc c'est mort en fait. Je crois qu'on va s'arrêter là tout de suite. C'est mort, j'ai pas le niveau. J'ai pas encore tous les pouvoirs du jeu, tout ça je pense. Je pense que c'est... Je pense, hein. Je dis ça comme ça. On va quitter quand même, on verra bien plus tard. Malheureusement ça sera pour plus tard. D'abord, on va d'abord faire les missions principales du jeu. Et après, les petites missions comme ça, du saison de passant, on va les faire plus tard. Donc ça, on verra. On verra pas, on fera. Parce que là, je sais déjà que j'ai pas le niveau, j'ai pas tous les pouvoirs du jeu, ça. Parce que j'ai pas terminé l'histoire.
Donc ça sera pour plus tard. Ok. Donc on va se déplacer ici, les amis. Je peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne suis pas en mode conflit contre les ennemis, tout ça. Hop, on va un peu s'éloigner. On va enlever le main. Ça ne sert à rien. Voilà. Hop. Et puis là, on va vraiment commencer les missions principales. Là, la mission qu'on va faire, on va se diriger, vous inquiétez pas. Alors avant de se diriger vraiment dans la mission, il y a juste un truc à faire, les amis, c'est les petites musiques que j'ai notées. Ah bah, je pouvais me déplacer, justement. On va se déplacer. Hop. Alors, vous inquiétez pas, j'ai tout noté sur un bout de papier, les petites notes de musique. C'est ça que je voulais vous faire montrer lors du dernier live. On n'a pas eu le temps. Chante Héphaïstos, l'indéfectible inventeur. Il enseigna de grandes techniques au monde entier. Fais-moi grâce, Héphaïstos, et accorde-moi la prospérité. C'est vrai qu'il a fait pas mal de trucs pour moi. Mon trône avec option massage. Comme d'habitude, je voulais tout ça hein, pour que vous écoutez quand même. Alors, du coup, allez, fascine, c'est comme ça. C'est dans l'ordre. Et du coup, on débloque la preuve. Ok, deux pièces de Charon. Ok. Alors, la deuxième musique, entre guillemets, si je peux dire, enfin la deuxième épreuve, comme ça. Vraiment simple celui-là. Ok. 6, c'est pas mal. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup, beaucoup. Et la dernière, alors celui-là il est vraiment pas facile. C'est obligé que je le note quand même. Attention, j'ai tout ça. Tout ça, on se trompe pas. Ok, bah c'est pas mal tout ça. Et ben voilà les amis. Maintenant on va pouvoir commencer la mission plutôt. S'il y en a qu'un. À rapporter les mains à l'automate. Faut rapporter les objets qu'on a récupérés, les rapporter tranquillement au robot, enfin, ou plutôt le dieu de ce monde. Ah oui, ok, il est en bas. Et bah, il est juste. Tiens, automate oublieux. Tu pourrais dire artiste. C'est la même chose. Regarde, j'ai retrouvé tes mains. Curieux amateur d'un robot, tu es plein de surprises. Ne bouge pas pendant que je. Non ! C'était quoi ça? T'es... Toujours aucun souvenir, hein? Non. Enfin, peut-être, hein. J'ai travaillé ici. Perle en eau à... Feu de forge rallumant persuadé et esprit léger. Feu de forge rallumé... Feu de forge rallumé, mais oui! Ta forge fait partie de la prophétie, purement la réponse. Il faut que tu te rappelles. La forge! La chose lumineuse et bénie qui sortait de tes mains.
Tu es un dieu. Et toi, tu as de très jolis yeux. Ah mais non, un vrai dieu. Chez moi, j'ai raconté des dizaines d'histoires à ton sujet. Des légendes, des dieux et des monstres. Tu es Ephaï, le dieu de la forge. Tu te souviens? Je me voyais plutôt comme un Patrick. Ou Gladys, peut-être. Bon, ça marche pas. Il faut réveiller tes souvenirs pour trouver ton essence. Je veux que tu réfléchisses. Comment allume-t-on la forge? Et conduit d'aération envoie de l'air. Quatre fourneaux à charbon. Un réseau de canaux apporte de l'eau glacée au sommet euro-hydraulique. La combustion centrale est contrôlée par deux mécanismes situés au cœur de la forge. Comment tu sais ça? Quoi ça? Peu importe. J'en ai déjà fait une part des pas pour tout le reste. Je vais m'en occuper. Ok, vous avez compris les amis, leur dernière phrase de Phoenix. Il a dit comme ça, tranquillement, que ouais, j'ai fait si, justement on l'avait fait. On avait allumé les tours, et maintenant il fallait au cœur de la tour pour allumer les deux autres, si je me trompe pas. Il y en a deux je crois, à l'intérieur de la tour, mais c'est fermé. Mais je pense que maintenant, grâce à la mission principale, et du coup, bah, plus attendre, on va le faire. Alors avant vraiment de le faire, on a débloqué un nouveau pouvoir justement. On va regarder. Alors, si je me trompe pas, ouais, c'est bénédiction en fait. Et c'est là. Alors, on a débloqué quoi? Étincelle d'Ephaïtos. L'esquive parfaitement synchronisée génère une étincelle infligeant 256 de dégâts aux ennemis proches. Ouh, c'est pas mal ça. Ça peut nous aider au combat ça. C'est pas mal. Ok. Alors, du coup. Ah, apparemment, même pas. Là, en fait. Ah, oui, il y en a d'autres, en fait. Ah, ok. 3. Ah, apparemment, il y en a 3. Bah, on verra bien. Hop, on va se déplacer. Par moi, il y a d'autres tours, je crois. Je crois. En explorant l'antique Phistos, Phoenix en découvrit l'élément essentiel. Les rouques. Pourquoi ça a besoin d'eau, une forge? Bon, Zeus, mon domaine, c'est l'avenir, pas la métallurgie. Hop. Voilà, alors bien sûr je vais vous mettre mission comme, vous... enfin, comme ça vous pouvez le voir. Alors ils nous disent hein, bien sûr débloquer les roues hydrauliques. La principale source d'énergie de la forge est constituée de ces roues hydrauliques. Mais Typhon les avait immobilisées. Cette histoire commence à prendre l'eau, et bien sûr, il nous marque entre parenthèses. Ok. C'est parti, les amis. Ah, il m'a vu. Lui. Pas facile à battre. Ouh, ou non. Ouah, comment j'étais projeté. Ouah. Ah ouais, quand même. Je pensais pas là. En plus, j'ai plus de potions de pour monter mes attaques et ma défense. Ah ouais. En explorant l'antique forge des Phaïstos. En même temps, c'est le gardien. On découvrit l'élément essentiel. Faire les amis. Hein. Pourquoi ça a besoin d'eau, forge? Cette fois, je vais faire plus attention. Mon domaine, c'est l'avenir, pas la métallurgie.
Tu vas pas me voir? Vraiment pas facile, hein, comme les autres. Ok, Phoenix, j'en peux plus. Il est mort là. Il a fait un combat incroyable. Et ben voilà. Ah non. Le déblocage de la première roue relique lui redonna une impulsion. Ouh, c'est pas mal ça. Ok. Alors, du coup, il est, je crois, à moins que... Ah non, c'est pas fini. Enfin, c'est vraiment pas fini, les amis. Il en reste. Regardez. Comme ça. Alors j'ai l'impression que c'est pas terminé. Ah, heureusement que je regarde. Ouf. Je suis bien là. Oui, bien sûr, je dois monter. Bien sûr, quelle question. Ah oui, on le voit d'ici, les amis. Ok, génial. Bon, vous savez que Phoenix c'est pas... Hop, voilà. Ou pas. Ouh, heureusement que je suis pas mort. Voilà, heureusement qu'il y a Phosphore. Mon aigle. Enfin, si je peux dire. C'est pas facile. Grâce à cette eau jaillissant, tel un torrent de pluie, Phoenix libéra davantage la forge, toujours prisonnière des griffes de Typhon. Mais notre pauvre mortel ignorait pire était à venir. Conduit d'écoulement d'eau. Ah, à mon avis, j'avais fait le premier, je pense. Rejoindre le cœur de la forge. À l'époque, enfin à l'époque, lors des autres lives. C'est pour ça que ça m'a marqué en fait. Ok. Alors entrer dans la forge des Phaethos. Ok, comme je
j'ai comment ouvert toutes les tours. Hop, on va se déplacer. Et c'est parti. Ça c'est plutôt cool parce qu'on peut faire les missions principales sans vraiment les faire en fait. Parce qu'on avait déjà allumé les tours justement sans faire la mission. Et maintenant on peut aller à l'intérieur grâce à la mission principale. Du coup ça fait moins de travail si je peux dire ça comme ça les amis. Moins de missions. Ok, je vois. Des épreuves à faire. Réactiver la forge en allumant les fourneaux. Ok. Et bah c'est parti. C'est pas facile là. Faut ralentir la flamme. Pas évident. Ok. Le bruit que ça fait. Typhon, il va être énervé là. Ils vont envoyer ses meilleurs guerriers pour moi. J'en suis sûr. Pour une forge. Et celui-là pourrait être un marteau. Héphaïstos possède le marteau le plus puissant jamais fabriqué. Ok. Voilà, ça a l'air simple. Ah oui, quel idiot. Ah oui, là par contre, ah oui, ok, j'ai... Il faut essayer de les mettre dans l'ordre. Ah oui, sinon ça serait trop simple. Ok. Eh ben, on va essayer de trouver le bon, les amis. Apparemment, c'est... Ok. C'est le premier. Le deuxième. Alors je m'imagine que le troisième c'est... Wouah, je suis trop fort. Sérieux. Du coup, enfin... C'est le premier, j'avais pas compris. Allez, je dirais que ouais. Deuxième, je sais pas. Vous en pensez quoi les... Enfin, je sais pas. Les amis... Le premier coup, allez. Parce que le premier, j'avais pas compris comment ça allait faire. Allez, je dirais que c'est le premier coup. Ah, je suis trop fort quand même de le trouver comme ça d'un coup. Fallait le faire quand même. Fallait le faire pour trouver d'un coup comme ça. Ce glyphe, je crois qu'il représente la forge. Et ce statue dehors, ce ne serait pas des indices. Parler à Héphaïstos. Je peux même fabriquer ça, c'est cool. On peut même fabriquer ses armes. Ah bah le robot il est là, enfin le dieu de ce monde. Parce que là il y a un robot, mais après ça serait un vrai dieu, je pense. Prochaine œuvre, je l'imagine avec de la neige, mais enfermé dans une boule qu'on agiterait pour simuler une tempête. On pourrait même y mettre un petit monument. Héphaïstos, tu es là. C'est comme si la forge m'avait appelé. Je n'ai pas pu résister. À ce propos, j'ai dégagé les feux et fait tourner les roues hydrauliques.
J'ai même débloqué d'étranges glyphes à l'intérieur, mais il ne s'est rien passé. Eh bien, j'en ai parlé à mes mains, comme chacun fait, et elles m'ont dit qu'elles étaient essentielles à l'opération. Elles doivent toucher les choses. Toucher. Zeus. Cet endroit est très ancien. On dit que tu as construit cette forge tout seul. Moi ? Mais les citernes si sales, sans parler de l'éclairage. Lui a l'air méchant. Non, automate, cliquetant. Cliquetant. Ouais, il clique lui. Parfait. Alors, par contre, ça va être un peu plus dur parce que j'ai pas de potion pour monter. Mais bon, je pense que ça ira quand même. Dur quand même les amis. J'ai l'impression que je suis pas... Non. Un peu plus le machin. Je vais te cliquoter moi, je vais te cliquoter. Pas évident quand même. Ouh. J'ai dû prendre des potions. Allez, phosphore, aide-moi. J'avais une... Oh, la chance quand même. Héphaïstos, montre-toi. Ah, tu n'as rien. Qu'est-ce que c'est? Il y a tant de souffrance dans ces marques, de chagrin, de douleur. Du grand art. Je crois que tu as essayé de nous laisser un message. Moi ? Comme c'est avant-garde. Tu as sûrement laissé un indice qui te permettrait de retrouver la mémoire. Quelque chose d'incompréhensible pour Typhon.
Tu peux déchiffrer ça? C'est incomplet. Héphaïstos est un génie! Il manque un morceau. Bon, où est-ce que j'ai mis ça? Pur Héphaïstos, c'est le reste de l'énigme. Marteau, un feu de forge, la statue et cette boîte. Est-ce que tu sais ce que c'est, Héphaïstos? Naturellement, il l'ignorait. Tous deux étaient en présence de la boîte de Pandore. As-tu osé encore l'ouvrir sur ce sujet, toi? Si je t'ai enchaîné à ce rocher, c'est pour avoir offert le feu aux mortels. Pandore, tu sais ce que c'est? C'est leur châtiment. Tu as obligé ton fils Héphaïstos, une boîte capable de leur infondre? Elle est belle, ta justice. Héphaïstos a été ravi de s'exécuter. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a fait ce que tu lui ordonnais que parce que toute sa vie, tu le torturais. Bon, tu arrêtes! Si Pandore a ouvert cette boîte, c'est par curiosité innocente. Toi, tu as agi par mépris. C'était un avertissement. Les mortels se sont entretués et ils ont ravagé. Comme quoi, l'avertissement était insuffisant. Mais c'est terminé, tout ça. Ils sont transformés en pierre, on va être tranquille. Le Pandore a été... Bon, il nous faut un marteau. J'ai... Où est-ce que... Oh, peu importe. Crois que ton ancien toi veut qu'on applique à ce marteau le pouvoir de la forge et qu'ensuite, on passe par là. C'est bien, moi, ça. Si je comprends bien, ton essence est en dessous. Mais ça n'est pas tout. Je t'ai dit ce que c'était, ça. Oui, une boîte. Non. Enfin, si, mais... Elle a aussi renfermé toutes sortes de souffrances. Assez pour en remplir le monde. Et tu as souffert, Héphaïstos. Beaucoup souffert. Chassé du sommet de l'Olympe, rejeté, seul. Malgré toute ta générosité et malgré tous tes efforts, tous les dieux t'ont rejeté. Parce que tu étais différent. Cette boîte est le dernier indice. Typhon t'a volé tes souffrances. Et c'est pour cela que tu n'as plus de souvenirs. Alors, pour retrouver la mémoire, les renoms... Tu vas devoir ressentir les souffrances qui ont été... Vas-y. Eh ben, quelle histoire! Ouh, accusation et ardente de Zeus. Ouh, c'est intéressant de ça. Secouer le cœur. Nouvelle quête, une percée. Okay. Alors, ils nous disent imprégner le marteau d'Héphaïstos de la flamme éternelle au sommet de la forge. Ok. Alors, bien sûr, on va regarder. Ouh, c'est pas mal ça. Ouh, ah ouais, j'aime, j'avoue, je... que le dernier là. Ah ouais. Adopter le tempérament de feu de Zeus qui n'est pas par la tête froide en revêtant ses ailes ardentes. Bah franchement, déjà, cela... Vraiment. Mais celui-là, j'avoue, c'est quelque chose, vraiment. C'est vraiment quelque chose. Je le garde direct. Allez, je le prends. Allez, c'est reparti pour la mission. Continue. Franchement, c'est palpitant. C'est ouf. Là, j'avoue que c'est ouf, là. Ce live, c'est pas mal. Et c'est celui que j'avais galéré aussi à, lors des derniers lives, là, que j'avais, que j'étais mort. C'est moi, enfin, que Phoenix s'est fait battre. Comme, je sais pas trop quoi, je me rappelle. Là, il galère aussi à battre.
Ah, quand même. Alors là, il faut juste allumer. Voilà. Ok, du coup on voit ces petits soldats, de rien du tout. Bah, ils sont tombés tous les deux, hop, allez hop, c'est fini comme ça, pratiquement. Okay. En dépit de la chaleur intense, Phoenix poursuivit sa mission. Il plongea le marteau d'Héphaïstos au cœur du feu. Prométhée, on ne peut pas gober ça. Aucun humain n'est capable de manier ce marteau. Ni de tenir des éclairs. Et pourtant, absorbant le pouvoir des flammes, le marteau se forge. Et Phoenix aime des bénédictions d'Héphaïstos. Le marteau désormais ranimé, et les souffrances d'Héphaïstos attendant en contrebas, Phoenix n'avait plus qu'à sauter. Ok, je saute. Bon, pas vraiment sauter comme un ouf. Hein. Et voilà, c'était super haut. Bien sûr, on va regarder qu'est-ce qu'on a justement débloqué. Ça a l'air intéressant. Un G d'Héphaïstos. Alors, elle nous marque que les parades parfaitement synchronisées génèrent une puissance onde de choc infligeant 512 de dégâts. C'est beaucoup ça. Pouah, là, 768 d'étourdissement et repoussant les ennemis proches. Ah ouais. Ça va être un truc, les amis. Ok. Oh la vache. T'as fait la Phoenix, t'as tout cassé là, t'as cassé ma statue. La liberté. Et ben c'est par petite quête, je pense, cette histoire de avec la contrée de la forge, avec le robot tout ça, enfin avec le dieu. Elle nous dit Héphaïstos, c'est parti. Et là à mon avis ça va être une de ces clips de, qui va durer longtemps, je pense. Tant mieux. Magnifique. Ouf, ah ouais. Phoenix sentit dans l'air un frisson. Qui était... Clip d'Héphaïstos. Oh pardon, c'est ma nouvelle eau de toilette. Ça vient du Nord. Je le connais, cousin. On n'a pas donné. Vent du Nord. Je sens que j'ai des années salaires. Ok. Alors je pense qu'il y a quand même des coffres. Se déplacer étrangement. Je me demande si je pourrais m'en servir pour me déplacer. Ah, la vapeur d'Héphaïstos est capable de déplacer de petits objets, d'influencer sur les déplacements en vol plané de Phoenix. J'ai pas tout lu. Et on va voir. Je peux modifier le sens du vent. Ah oui. Ok, j'ai compris. Voilà. Ok. Alors
Ah, par contre, faut faire attention avec ça parce que j'utilise mes ailes tout le temps. À mon avis, je vais me faire propulser je sais pas où. Enfin, en plus, je reste pas vraiment descendre tout doucement. Si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Je reste fixe. Ok. Voilà, j'imagine qu'il faut. Ouais. En tout cas, c'est magnifique comme lieu. Mère, non! Je peux changer. Je serai le fils dont tu rêves. Là sûr, les amis. Ok, il faut allumer les tours. Et le charbon placé, fait de bois dans un échangeur de charbon et activer le pour le rocher en charbon. Oh, ouais. Ah oui, je sais, faut mettre dedans. Non ? Enfin, je... Ok, bon, pourquoi pas. Ah oui. Faut que j'active, sinon je vais aller l'autre côté. Qu'est-ce que... De même que tu avais rassemblé les malheurs du monde, pour faire cadeau à l'humanité, Phénix enferma les tourments d'Héphaïstos dans la boîte de Pandore. Toutes ses souffrances, toutes ses inspirations tortueuses. Qu'est-ce que tu veux? Le petit est un artiste. De cette flamme émergea la malveillance infligée à Héphaïstos. Malveillance, tu parles. Héphaïstos a eu la vie facile. Oui. Tu l'as jeté de l'Olympe. Sa mère l'a rejeté. Les dieux se sont moqués de lui. Personne ne l'invitait jamais à dîner, ou alors, au mieux, on le décommandait à la dernière minute. Ça arrive, Prométhée. Papa est occupé. Imagine qui. Ok, ok. Ouais, il y a plusieurs épreuves en fait. Oula. Plusieurs tours à allumer en fait. Autour de cette tour en fait. Oublie ta quête. Marche sans fardeau. Alors, comment ça marche? C'est de piger, hein. Ouais. Ah, j'ai en train de penser. Et oui, faut pas oublier que j'ai ça. Ah, il y a un petit coquet. Que Typhon nous emporte. Défais les cruautés que nous avons commises. Si je fais ça, ouais. À moins que... Non, 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 non.
Alors j'essaie de... de voir comment ça marche. Ah, c'est pas évident hein, quand même. J'essaye de comprendre hein, vraiment. Parce que si je fais ça, je fais rien du tout. À moins que... ah bah non, ça se peut pas. Alors je parie que ça a l'air facile. Hein. J'ai juste, moi, pas compris... comment on peut faire. Alors là, je vous avoue que j'ai pas compris. À moins que c'est quoi ça en fait là. J'ai vraiment. Là, c'est Jackie. Ah là j'avoue que j'ai pas compris. Alors sans vraiment vraiment faire patienter, regardez quand même je vais me renseigner. Alors c'est ouais, Finito. Parce que si je le détruis, c'est sûr que je le casse. Donc ça ne sert. Voyons. Ok. J'avoue, alors c'est peut-être idiot, hein, ça tombe, c'est idiot. Et là, ah là, je vous avoue que... Alors, en attendant, en même temps, j'essaie de piger. Parce que là, je peux pas les déplacer, apparemment. Il y a... voyons. Ah, à moins que... voilà, c'est quoi ce que... Alors, attendez les amis, je crois que je pense. Ah, mais oui. En plus, j'ai hésité vraiment. Je savais que... enfin, pas dire que je le savais, mais... j'avais un peu deviné que c'était un truc comme ça. J'ai failli le faire en plus, hein. J'ai failli le faire, vraiment. Alors, faut les mettre comme ça. Et il faut prendre lui le truc là. Voilà. Le faire en plus, vraiment. Là, voilà, il faut les déplacer maintenant. Enfin, je... alors, attends, alors, enfin, attendez les amis. Je pense que... pays... ah, c'est évident, vraiment. C'est, en fait, je vous explique. Il y en a plusieurs, en fait. Là, franchement, c'est vraiment pas évident.
Mais là, d'après ce que je vois, là, on fait mec qu'il y en a qu'un des interrupteurs. Donc je suis pas dans le bon. Voilà, là je suis dans le... Ok. Alors j'imagine que... Ouais, ok, là je crois que ça doit être bon aussi. Que... Oui, après. Alors les amis, quand on sait pas... Il y a fait là. Oula. Oh là 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 là, c'est vraiment un... Pff. Ok, alors là je pense qu'il faut... Ouais. Non, pas du tout. La petite erreur... Voilà, et là apparemment, faut l'arrêter comme ça. Oh, doucement, doucement. Voilà. Ok. Ah bah, ok, bah enfin... Ok, bon. Alors je vous dis que j'ai pas vraiment compris. Mais bon, apparemment c'est ça quoi. Il fallait être rapide. Ah j'avoue, il fallait deviner. Ah oui, en fait c'est pour le coffre. Ok. En fait ça c'est... Ok, t'as pris. Ok, en fait c'était tout simplement bidon, c'était comme ça en fait. Bon. Bon. Je vivrai dans la flamme et tu m'auras pas. J'espère qu'ils sont tous pas... Comment as-tu pu ? J'avais confiance en toi. Qu'est-ce que c'est que... Alors j'essaye de comprendre. Pas évident, vraiment c'est vraiment pas évident du tout. Ah, je sais pas. Ah, c'est compliqué. Que c'est compliqué là. Ah bah non, ça marche pas. En même temps, j'essaie de pas aussi sur YouTube les amis parce que j'essaie de comprendre aussi bien sûr. Hein. Et... Oh là 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 là. C'est compliqué. Bon, je vais regarder quand même. Pas le chou. Là, cette épreuve. Il est dur. Bon. Ouais, dans ce genre de jeu, ouais, faut tout comprendre. Pas évident. Moi, je m'imagine
la bouboule. Je veux regarder. Il y a des épreuves quand même. C'est chaud. Apparemment, il faut. Oula, j'ai pas tous les mains. Merde. Faut. Ah, comme ça. Ok. Ok, tout simplement. Ah oui, c'est avec le vent, mais oui. Bon, là, je me suis. C'était presque ça. Alors, bien sûr, je regarde comment ça marche. Ok, là c'est le même, c'est la même chose en fait. Ah, c'est vraiment pas évident, hein. Vraiment. Faut quand même les trouver. Les... Et là, comment ça marche? Ok, la petite. C'est pas mal. Oula. Alors je pense que ouais, ça apparemment. Une vidéo sur ça, il galère aussi apparemment. Ah oui, ok. Tout est calculé en fait. Et là, ok, ouais. Et ben la vache. C'est pas fini. Voilà. Allez, avance, avance. Allez. On va le pousser. Ok. Ah, il fallait vraiment tout trouver, hein, les amis. Ok, alors comment ça marche maintenant? Apparemment, faut pas prendre la bouffe. Stéopès, Brontès, vous aviez ma confiance. Enfin, je ne sais pas, à vrai dire. Je suis celui-là qui fait la vidéo, justement. Faut pas trop traiter. Ah, voilà. Faut pas vous faire patienter aussi en même temps. Sinon, honnêtement, j'aurais mis au moins 3 heures pour comprendre. Bon là c'est facile, faut juste mettre la bouboule et ça, bon, ça va.
Allez, en plein dedans. Vas-y, Zami. La plus sombre émotion des Phaistos fut donnée dans la boîte de Pandore. La zizanie. Sa femme ne l'aime pas et il a été condamné à des années d'exil. Mais bon, ça pourrait être pire. Ma femme, à moi, c'est Hera. Ok, ok. Doucement, hein, bien sûr. Que les feux s'éteignent! Je pense que c'est le dernier. Passez, libère-moi. Alors, comment ça marche? Ok. Bon, ça sera moins compliqué. Parce que là, je vous avoue, venir. Ok. Faut aller où là? Ah, j'espère que c'est ça. Ok. Bon, j'ai confiance. Ah ouais, quand même. Alors là, oui, il faut bien calculer, là. Non, pas évident, hein, la crypte. En même temps, de l'histoire de Contrée de la Forge. Si tu veux moi revenir, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres coffres, hein, bien sûr. Parce qu'il me semble que j'en ai vu un, enfin j'en ai vu un ici, des coffres. En tout cas, magnifique le robot, il regarde chez quoi, l'arc-en-ciel ou je sais pas. Magnifique l'image avec Typhon et Phaistos là, je sais pas trop quoi. Le dieu de la forge. Ouh, j'avais pas vu lui. Oh non! Ah, dommage. Je voulais aller trop vite. Ah, quel idiot, hein. Oh non, je dois recommencer. Quoi? Pourquoi c'est là? Ah oui, parce que je vais l'autre côté. Ah, oh, quel idiot. Voilà. Non, non, j'y vais. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Mince, roll. Et bah voilà, je vais plus réussir les amis. Oh punaise. Oh là 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 là. Alors c'est celui-là je galère et que le deuxième. Oh, ouais, c'est chaud.
Nouya. Bon, cette fois, je vais faire attention. Allez. Pouah, là, 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 là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah oui, il y a un coffre tout en haut de la falaise. C'est magnifique. On arrête de planer. Et oui. Et oui, oui, il fallait penser ça. Ça j'ai bon. Alors, je regarde s'il n'y a pas en rapport avec le coffre. Et oui, oui, oui. Ça, j'y pense. Alors, il y a un coffre. Il est là. Oula, par contre ça j'aime pas ça, oui. Oh là 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 là. Alors là, j'ai intérêt de faire attention parce que ça fait baisser mon énergie. Mon dieu. Ok, je dois mettre dedans. C'est ça, et après je dois. J'hésite. Tout simplement. Bon bah. Ah oui, oui, bah oui. Pour redescendre, oui. Je serai toujours le dieu boiteux. Ok. Et ben, je pense qu'on est à la fin, les amis. Je crois que c'était le dernier. Le désespoir émergea de la flamme illuminée et Phénix le replaça rapidement dans la boîte de Pandore. Les forges sont allumées. L'air devrait être assez puissant pour le souffler. Regardez Phaistos. Quand on est comme lui, on se contente de ce qu'on a. Et Capriera en otage pour exiger la main d'Aphrodite. Mais je savais qu'elle ne le toucherait jamais. Du coup, elle serait en sûreté et indisponible. L'idéal. C'est lui qui a cherché le désespoir. Il l'a eu. L'eau était lourde, comme l'inquiétude de Phénix.
en retrouvant ses sombres souvenirs et en les rapportant à Héphaïstos. Condamnait-il à souffrir? La question le hanta tout au long de sa... Ok, ok, on se rapproche du but, les amis. Alors bien sûr, je fais le tour parce que au cas où s'il y avait justement... s'il n'y a pas un petit coffre loupé. Mère! Père! Arrêtez! Je me tiendrai mieux, je le promets! Il faut être rapide, les amis. Alors, je vous avoue que je ne sais pas de quoi je m'embarque. Oui, il faut tous les activer, ok, le plus rapidement possible. Et ben on va le refaire. Ah, il est où l'autre? Pas évident. Il y a un coffre. Vite. Ok, tout simplement. Oh, c'est haut quand même. Je t'en prie, Aphrodite. Parle-moi. Apparemment, il y avait un coffre juste en bas. J'ai la flemme, les amis. Vous voulez qu'on le fait? Non, enfin, je sais pas. J'ai peur pour la suite aussi. Bon, allez, je le tente. Après, j'ai en train de penser, les amis, si je le veux, je peux me transférer vers le checkpoint, justement. Vous allez voir, normalement, ça devrait marcher. Ok, et là, c'est ce que je vais me laisser tomber, et je pense que... Je suis en train de penser que je vais réapparaître dans le lieu. Voilà. C'est pas génial, ça? Et là, à mon avis, on va avoir un boss. Oh punaise. T'es pas gentil. Apprends à viser. Ouf.
Ouh. En plus, j'ai plus de... Ah, j'aurais dû en prendre. Chaque fois, j'oublie d'en prendre. Des potions de prendre mon TV, ma défense. C'est pas grave, on va le battre quand même. Allez hop, terminé. Phoenix l'a eu. Waouh, quel live. Enfin, et oui. Après, ça va être une vidéo. Franchement, c'est au top. D'un seul coup, je me sens presque triste. Franchement, les amis, cette vidéo, enfin ce live, enfin pour l'instant c'est un live, mais après c'est une vidéo. Et franchement, c'est top. La vengeance bouillonnait, à l'instar de la rage qui l'accompagnait. Tu vois, à chaque méfait que tu lui as imposé, Héphaïstos a laissé brûler sa rage et l'a métamorphosé en bienfait, ses nombreuses créations. La vie promettait d'être difficile pour le petit. J'essayais un peu de l'endurcir. Ne me rendez pas compte du mal que je lui faisais. Malveillance, désespoir et vengeance pour reconstituer l'essence jadis prisonnière d'Héphaïstos. Je suis de retour, et j'ai ton essence. Héphaïstos ? Phoenix espérait qu'Héphaïstos était à la halle des dieux. Wouhou ! Apporter à Phoenix à la halle des dieux. Pas de soucis. Ce qu'on va faire, c'est que... On va se déplacer, les amis. On va pas faire toute la route, hein, bien sûr. Oh, je suis pas un fou à ce point-là. Parce que c'est super loin. Tu te sens un peu nauséeux et ailleurs. Tu n'aurais peut-être pas dû manger la grenade décolorée que tu as trouvée. Désolé d'avoir à te dire ça, mais... Et aux enfers. Je plaisante. Les moires sont intervenus. Tu as été envoyé vers ma petite secrète. Mais tu devrais y trouver quelque chose qui te sera utile. Bon amusement. Ouh. Merci, Hermès. Je ne sais pas trop quoi. J'ai débloqué. On va regarder ça. Parce que je vois. Sur mon live aussi. Je suis un peu décalé entre mon live et que en ce moment que je parle. Je suis un tout petit peu décalé, mais pas grand chose. Donc c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Ouh, ah ouais, il est magnifique. Ouh. Ouh, j'aime bien.
franchement, je vais pas le cacher que j'adore. Franchement, je pense, honnêtement, je pense que je vais le garder en personnalisation. Parce que j'ai toujours la tenue, vous le savez. C'est le meilleur en tout cas sur le serpent. Je pense que je vais garder celle-ci parce que franchement, il claque ça. Du sanglier, lui, tiennent le show par tous les temps, y compris pendant les neiges. Bah, franchement, il est kiffant. Au top. Right. Alors, bien sûr, si vous voulez, je vais vous faire montrer les autres que j'avais justement débloqués. Voilà, c'est franchement. C'est compératif. Franchement, les autres, ils sont moyens. Honnêtement, ils sont bof. Mais alors, par contre, lui, c'est la même. C'est la même tenue hein, que les autres. Mais en couleur comme ça, il est génial. Waouh! Oh, franchement, il est top. J'adore. Il n'y a pas à dire. Interagir. Ok, bon. Oui, femme gigantesque. Je trouve que lorsque tout cela sera terminé, nous devrions te confier la restauration de l'île d'or. Mais en y prévoyant plus de fresques. Une autre admiratrice? Formidable, semblerait que j'ai la cote en ce moment. De l'art hideux, projeté sur ces terres splendides. J'appellerai ce projet Honte à l'art répugnant des Phaistos, ou H.A.R.H. pour faire court. Je ne suis pas encore sûre pour le nom, mais il faut quelque chose de bref que les gens pourront hurler. Tu es là. Une fois dehors, je me suis demandé s'il s'était passé quelque chose. Il se passe chose. Quelque chose de grave. Comment t'es arrivé ici? Je l'ai peut-être un peu aidé. Tu as fabriqué mes sandales et mon casque ailé. Je t'ai sauvé et amené ici. Alors je crois... Il pense qu'on se connaît. Jouons le jeu. Oui! Tes sandales! Je suis heureux qu'elles te plaisent, tes sandales. Et tu as trouvé son essence? Tu es sûr que tu te sens prêt? Rien ne m'est jamais arrivé de mal. Pourquoi cela commencerait-il aujourd'hui? Prête-moi ton épée, ta lance, ta flèche. Transforme et éclaire notre voie. Heureux de te rendre, vieil ami. Ça va, le grand? Je me souviens de tout. Laisse faire le temps. Mais il y a une chose qui me turlupine. Sans souvenir, comment as-tu laissé des indices menant à la crypte de Typhon? Pas à celle de Typhon. La mienne. J'ai si longtemps souffert. J'étais si fatigué. Avant Typhon, j'ai souvent utilisé la boîte de Pandore pour piéger mes tourments intérieurs dans cette crypte. J'avais un système. J'ai créé les indices pour retrouver mon chemin. J'étais vulnérable. Je l'ai laissé me transformer en l'un de mes automates. Ça m'a plu d'ailleurs. Maintenant, au centre, rien du tout. Mais étais-ce... Tu aurais dû pouvoir retrouver ton essence. Stéropès et Brontès, mes assistants, ils m'ont trahi. Ils ont pris le premier indice, celui qui m'amenait à allumer les feux de la forge.
Ils l'ont brûlé. Non, il n'y a rien de plus cruel que l'ironie. Et par conséquent, ils ont fait de ma réclusion une prison permanente. Ils ont payé pour leur crime. Bien. Ils ont volé l'armure que... Désormais, elle est à toi. Et... à propos de paiement... je te dois au moins... Tu en auras besoin pour ce que nous avons à faire ensuite. Quelque chose. Oh oui! Pour protéger l'espoir de la maladresse et du chagrin des mortels, Zeus a caché sa forme fragile près de la forge. Là, derrière une porte fermée, l'espoir attend. Nous devons le libérer. J'ai trouvé cette clé de porte dans ta contrée de la forge. Mais comment va-t-on libérer l'espoir? Ensemble. Cette boîte est prête à office. Puisse la lueur d'un orge t'éclairer de... Eh ben, quelle histoire. Dieu de la forge et des blocs. Succès sur Xbox. Moi, je suis sur Xbox, bien sûr. Ouh, pecto de forge. Ok. Eh ben, on va regarder ça, les amis, tout doucement. Ouh, c'est pas mal. Pas mal. En rouge. Moi, j'adore le rouge. C'est ma couleur préférée. On avait celui-ci, justement, qu'on avait dernier live. Même celui-là, j'avais débloqué avec le même live, justement, ces deux tenues. Je crois que c'était la partie 27, je crois, ou 28. Je crois plutôt 28, je crois. Je ne sais plus. Non, je crois 27. 27. J'avais débloqué ces deux-là. Et le rouge, maintenant. Alors, on nous dit comme ça. Le feu peut brûler, fondre et tuer. Mais bien... maîtriser, il peut créer la meilleure armure de temps, enfin de tous les temps. J'avoue, en rouge comme ça, c'est vrai, de tous les temps. Ok, ok. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Ah ouais, celui-là, je l'adore, franchement, je l'adore. Blanc comme ça, avec les trucs en or comme ça, c'est top. Alors, on va parler avec le dieu. Par contre, avant de lui parler, les amis, oui, on a une petite mission en plus. Capturer l'espoir piégé dans la salle. Trouver la clé libérant l'espoir serait facile, mais la porte beaucoup moins cherchée au nord de la forge des Phaïtos était un bon point de départ. Ok, et on gagne un de couleur, à mon avis. Ouais, bah ouais. Ok, ok. Eh bien, hop. M'y voilà. Dans le temple consacré aux dieux qui ne m'aiment pas. C'est parce qu'ils ne te comprennent pas. Parle-leur, ils percevront vite ton côté inventeur de génie. Hermès a raison. Sois simplement toi-même. Non, non, pas pour ton art. Qu'est-ce que c'est que ce conseil? Tu veux qu'on se retrouve dans le journal? Ton épouse est une femme charmante, la plupart du temps. Elle n'aimerait pas que tu l'appelles comme ça. Épouse. Nain à nos côtés face à Typhon va beaucoup nous aider. Tu ne crois pas? Une déesse aussi déterminée qu'elle ne succombera jamais à des émotions. Elle saura garder la tête froide. Les émotions peuvent avoir du bon, Héphaïstos. Je sais, mais j'en ai beaucoup. Et elle, très peu. Et... ce n'est pas pour rien qu'elle est la préférée de Zeus. Et puis... elle n'est jamais venue pleurer dans ses pattes. Alors... oui, c'est un plus. Et d'animaux pour Aphrodite? Comment le sais-tu? Tu sens la fourrure. Et toujours cette odeur quand elle oubliait... de s'imbiber de... Oh! Je sais ce que je vais lui offrir pour son anniversaire à l'avenir. Personne d'autre ne lui offre de parfum. Je veux parler du vin qu'elle boit. Pour porter ma présence à ce qu'elle dit. Il n'est pas en forme, le grand, aujourd'hui. Aphrodite a retrouvé sa nature.
Désolé, Phaistos. Je regarde mon nid. Tu veux un bandeau? J'en ai un sur moi pour... Parce que... Ah! Ça fait voir Athéna redevenue elle-même. Tu sais que c'est moi qui l'ai... Par faire naître, tu veux parler de fendre le crâne de Zeus d'un coup de hache? Oui. Ça a été facile. Aucune complication. Je serai prêt à leur faire sans hésitation. Bon, moi je vais planquer toutes les haches. Bip, bop, bip, syntaxe erreur. Je t'ai eu. Ouais, tu m'as eu là. Bip, bop, bip, syntaxe. Ok, il n'y a plus de cinématique. Je vais regarder sur les autres. Cher, il semble que tu aies enfin fait la rencontre, Phaistos. Ne le lui répète pas, mais quand Typhon l'a transformé, le changement m'a plu. Oui, il est passé de dieu grec à dieu geek. Très chel. C'est quoi une révolution indus que tu dis là? Attends quelques millénaires, un gros succès. Tout le monde va adorer et toi, ça t'ira comme un gant. Mais je ne serai pas vivant dans millénaires. Ne va pas t'imaginer que je n'ai pas remarqué toute l'aide que tu as apportée. Tu n'es pas jalouse? Moi? Jamais! Peut-être que j'offre mon soutien à Athéna parce que tu m'as enseigné l'altruisme et la compassion. Oui. Les actes héroïques de Phénix ont tous été inspirés par toi quand on y réfléchit. Et même quand on n'y réfléchit pas, d'ailleurs. En un sens, c'est moi la vraie héroïne. Oh, oui, complètement. Dans ce cas, continue. À propos d'Héphaïstos. Tu crois qu'il faut que j'aille là-bas lui parler? Oh, puis dis-moi que non. Bah. Il souffre encore beaucoup. Je serais d'avis d'attendre qu'il vienne à toi. Oui. Je ne voudrais pas me montrer insensible. Je vais rester à l'ignorer poliment. Je veux dire à... J'ai toujours des oiseaux dans les cheveux. Ils doivent continuer à chercher des pommes. Où elle est, la lance d'Arès, en cas de besoin? Héphaïstos et moi étions en train de discuter. Enfin, ça dépend. De quoi parliez-vous? De ses inventions et de mes plans. Je compte faire tomber Typhon. Il a proposé de forger des dos qui crachent du feu. Mais les dauphins, ça nage sous l'eau. Raté. Raté. Et nous du temps pour retrouver quelque chose. Si on en savait davantage sur les projets de Typhon, je pourrais contrer ce qu'il prépare. Ok, on a fait un peu le tour. Cinématique. Et là, avant de s'arrêter, les amis, eh ben on va en profiter d'améliorer Phénix. Hop. Vite fait. Enfin, vite fait. On va bien regarder, hein, bien sûr. Je pense qu'on va... Oui. On va voir un peu. Enfin, Daphétos. Chargé porté à 3000... Waouh. Ah, quand même. Étourdissement porté à 784. Et distance de repoussement montée de 200%. Je le prends. Je le prends. Attaque de phosphore, une onde de jeu de la cible pour chaque coup porté. Ça sent, nanana. Ok. Chaque. Courroux d'arrêt, charge infligeant 3584 d'étourdissement et dont la zone d'effet est portée à 100%. Ok. Ah oui, quand même. Ok. Oui, en fait, maintenant, je peux charger... faut maintenir. Et là, je fais des grandes... Ouais, ok. Des zones d'effet beaucoup plus grandes, en fait. Ok. Je maintiens le bouton, en fait. Ok, bah, je vais prendre ça. Et après, porter les dégâts... les dégâts des coups de charge d'Athéna chargés à
57 de l'étourdissement à 2688 porte les dégâts de l'onde de choc à 435 d'étourdissement à 960 et la zone d'effet de 50. Ok, donc ouais, ça fait ouais. Je regarde l'image, hein, bien sûr, la petite vidéo. Ok. Allez, pourquoi pas. Là. Alors là, je l'ai débloqué, ouais, bien sûr. Ah oui, ça, c'est pour ramener les... Ça, c'est pas mal, ça. Consommation de un fragment d'énergie afin de rapprocher de petits ennemis de Phoenix. Ça, c'est bien, ça, parce que les oiseaux commencent à... Un peu à me... Voilà, quoi. Parce que moi, je sais pas voler, hein, bien sûr. Ça permet de les déplacer vers moi. Et bah en fait il m'en manque deux, je crois. Ça sera pour plus tard parce que je vais un peu améliorer ça aussi en même temps. Esquive dans les airs. Esquive dans les airs afin d'éviter les attaques à propos de la puissance des ailes des dédales lors de l'utilisation. Cette puissance des ailes ne peut être employée qu'une fois dans les airs. Ok. Ok, ok. Et là, on va beaucoup améliorer Phoenix. après, on a quoi? Dans les airs. Maintenir. Ouh, ça, c'est pas mal, ça. Attaque frappant violemment le sol en générant une onde de choc repoussant les ennemis. Inflige 799 de dégâts et 1029. Ah, ça, par contre, ça, c'est pas mal, ça. Dans les airs, ok. Le temps est ralenti lorsque l'arc est dégainé pendant une chute. Ça, c'est pas mal. Un tir dans la tête inflige 100% de dégâts supplémentaires. Oh, j'hésite. Je pense que je vais prendre ça, ouais. Ouais, ça. Ok, avec l'arc là en plus 39, ah oui, ok. Pas mal, pas mal. En plus, c'est l'arc que j'utilise, je crois. 39 de probabilité de détruire dans la tête. Ouh, ça, c'est pas mal. Ok. Ok. On va améliorer la santé de Phoenix, en plus j'en ai plein. Ah là, ils n'ont aucune chance, les ennemis. J'en suis bien content. Comment j'améliore Phoenix depuis... Enfin, ça fait un petit moment que je l'avais pas amélioré, justement. C'est plutôt cool. Ça fait grave plaisir de l'améliorer à fond, Phoenix. Et là, j'en ai beaucoup, là. Avec tout ce que j'ai récupéré. Avec le pic du roi, dans le monde pic du roi, dans la contrée de la... Ça fait plaisir. Alors, je pense que je vais améliorer l'armure. Je pense que je vais faire ça. Amélioration des dégâts et avantages pour tous les casques. Qui... Armure et flèche. Ok. Ouh, yes. Je suis à fond là. On va prendre ça.
Et puis, je réfléchis en même temps, hein, qu'est-ce que je vais prendre, parce que j'ai déjà pu beaucoup, malheureusement, mais après on va battre des ennemis beaucoup plus puissants, de plus en plus, et on va augmenter nos objets qu'on va récupérer dans les mondes, enfin dans le dernier, enfin, le monde si je peux dire ça comme ça. Et on aura des ennemis beaucoup plus puissants à battre, et puis on va débloquer beaucoup plus de choses. Vous allez voir. Du coup... tiens, ouais. Voilà. Ne peut plus... Par contre, ça, oui. Voilà, je suis à fond. Ah, j'aurais pu augmenter la potion. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû... ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, les potions, bon, ça... Et je pense. Ok. Phoenix. S'améliore. Oula, je pense que je vais faire des lourds dégâts là. Voilà, avant de faire les potions, je vais augmenter ce petit truc là. Reconstitution de 15% d'un fragment de santé en cas d'atteinte. Ouais, il y a quoi après? Rendissement porté à 40%, 45%. Allez, je vais prendre ça. Renvoie des projectiles qui infligent alors 75% de leurs dégâts. Ok. Inflige 1400 assaillants. Ok. Défense portée. Bon, allez, je prends. Voilà. Reconstitution d'énergie portée à 5 fragments. Pourquoi pas. Santé aussi, ouais. Allez, hop. On va faire ça. La santé, c'est très important. Voilà. On va prendre ça aussi. Et puis, ouais, ça, allez. Je vais en prendre. Voilà, parfait. Nickel. Là aussi. Et là aussi. Bon, comme toujours, Phoenix prépare. Voilà. Les petites quêtes qu'on a accomplies de temps en temps. Alors ça, celle-là, bah, je l'ai ratée parce qu'apparemment, il y avait une mission. Et malheureusement, j'ai pas pu la faire. Du coup, je l'ai ratée, mais c'était une mission de temps, en fait. Enfin, alors que, comme par exemple, justement, il reste 23 heures pour gagner 30 pièces. C'est un autre, là, qui vient d'être échangé, en fait. C'est pour ça. Alors, bah, apparemment, les amis, il n'y a rien que je débloque. Malheureusement. Ah si. Je n'ai rien. Regagner la halle des dieux. Vaincre des lieutenants. Ok. Des pièces. Génial. Accepté. Là je peux pas là. Vaincre des ennemis 80. Ok. Croupi d'orfait. Effectue. Ouais. Ok. Apparemment j'ai débloqué quand même. Accepté. Effectue. Vraiment. Ouais, ok. En fait, j'ai fait plusieurs et du coup, ça me marque quand même 6 sur 8. Mais j'ai quand même réussi, en fait. Ok, ok. Réussi tous les objectifs des cryptes du Tartare difficile. Ok, accepté.
7 sur 10. Collectez tous les fragments coffres de l'arène de crime du Tartare. Bon, là, c'est pas fait. Collectez des fragments de minuit dans les coffres nocturnes. Et je vais peut-être pouvoir peut-être encore améliorer Phoenix. Hein. Improviser des clés. Ouvrez des coffres gardés. Je débloque beaucoup de choses. C'est grâce à tout ce qu'on fait justement dans les lives. C'est plutôt. Collecter tous les fragments de minuit dans des coffres nocturnes 5 sur 10. Bon, c'est parfait. Bon, voilà. Plus tard. Hop. Et là, c'est parfait aussi. Mina bien les défis mythiques de constellation. 8 sur 11. Mais c'est pas mal tout ce qu'on débloque. C'est vraiment pas mal. Mythique de Arche Gardien. Ok. Mythique de Arc de Tiens. Si. Alors, je ne sais pas si on va tous les regarder. Hein. On verra bien. Ok. 12. Et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on avait justement? Je ne sais plus déjà. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on... Mais au moins on a débloqué des choses les amis. C'est plutôt cool. On a débloqué je crois que c'est ce... Voilà, je crois qu'il y a... Mais en plus c'est une de mes... C'est la hache que j'utilise justement. Je crois que je vais le garder, ouais. En or comme ça, ça me tenu en plus. C'est cool. Alors nous main cette hache. Expérience céleste ont été touchées par les dieux en personne. Ok, bah, je vais le garder parce qu'en plus c'est la hache que j'utilise pendant les combats, justement. En plus il est en or, ça se fait avec ma tenue. Plutôt cool. Ok, on va faire ça les amis. Améliorer l'énergie de Phoenix. Et en plus j'améliore tout, ça c'est plutôt cool. Et voilà. Vous voyez que c'est important de fouiller les zones chaque fois. Ça permet vraiment d'améliorer à fond Phoenix de temps en temps. Comme ça on va vaincre les ennemis beaucoup plus facilement. Et c'est plutôt cool quoi. Vraiment quoi. Vous avez débloqué un niveau de maîtrise possible à collecter des matériaux afin de continuer à acquérir, appuyer pour. Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. J'ai pas vraiment vu. Apparemment, il faut continuer à améliorer pour l'énergie. Ah oui, peut-être là. Maîtrise de l'énergie. Réduction supplémentaire de la consommation d'énergie lors de l'emploi de la foutre doseuse. Niveau suivant, moins 1% consommation d'énergie au fil du temps. Ok, oui, en fait, il faut continuer. Et ça fait augmenter le truc, ouais, le nombre. C'est pour... ouais, ça fait comme à peu près comme dans Assassin, quand on est amélioré à fond. Eivor, on peut continuer de l'améliorer, en fait. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça permet... De gagner encore des petites choses, en exemple, moins 1% de consommation au fil du temps, quoi. Voilà. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, et puis voilà, quoi. Voilà, Wally, voilà. Et je pense qu'on a fait un peu le tour, les amis. Bah, franchement, c'était un live complètement dingue. J'espère que vous avez vraiment kiffé. Moi, j'ai vraiment kiffé ce live avec vous. J'ai adoré. Un peu galère, ouais, dans la crypte. Franchement, j'ai kiffé, franchement, vous pouvez le dire en commentaire si vous avez aimé ce live, si vous avez suivi ou voilà quoi.
Et du coup, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, si vous regardez la vidéo, parce qu'après ça va être une vidéo, bien sûr, après cela, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo pour plus tard. Du coup, voilà. Prenez bien soin de vous, les amis, on se retrouve pour la partie 30. Et dans cette partie 30, on va justement, ce qu'on va faire dans le prochain live, c'est que on va faire la petite contrée de la forge qu'on a eu en supplémentaire. Et après, dans le prochain live, on va aller enfin dans un nouveau monde, entre deux la guerre. Et oui, c'est la guerre. La guerre est déclarée. Parce que là, Typhon va s'énerver. Et après, on verra plus tard. Plus tard dans les autres lives. En tout cas, je vous laisse là, les amis. Et je vous dis à plus tard. Prenez bien soin. Et n'hésitez pas à un j'aime aussi, si vous avez aimé aussi la vidéo. Du coup, à plus tard. Ciao, ciao.